Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve une nouvelle fois avec Fred. Cette fois-ci, on est du côté Gunky, toujours chez Sensas. Et là, cette fois-ci, on va présenter les nouveautés 2019. Je voulais présenter ça au début. C'est les J-Bump prémontés, avec des coloris prévus pour chaque type d'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un concept qu'on aime bien chez nous. C'est vraiment faire des produits au final abordables. Alors, c'est pas que en termes de tarifs, ouais. Mais c'est aussi en termes de compréhension, en fait. D'accord. Le J-Bump, c'est un petit leurre assez puissant, facile à utiliser dans beaucoup de conditions, c'est-à-dire qu'il va se prêter vraiment à tout type de perche, que ce soit la pêche de la perche ou du sambre ou du brochet. Ouais. Donc là, vous allez trouver en fait d'un kit couleur eau claire et couleur foncée, donc l'eau claire ici, couleur foncée et eau foncée ici. Ouais. Et vous allez voir, alors des fois ça peut vous paraître un peu bizarre, tu vois, on n'a pas que des couleurs super flashy. C'est clair. Mais on a des couleurs contrastées, c'est-à-dire que dans des eaux qui commencent à être mâchés, etc., des dos, des poissons, enfin des leurres un peu foncés, ouais, vont bien contraster avec des eaux laiteuses, par ouais, exemple. En condition de faible luminosité, le blanc fonctionne toujours aussi. Ouais. C'est quelque chose qui fonctionne bien. D'accord. D'accord. Et après, tu as le coloris Brown Shark que j'affectionne particulièrement. C'est, pour moi, c'est un... il fait dans toutes les eaux, c'est une base. Ouais. Et un coloris un peu plus orange. Qui est pareil pour des eaux chargées, marche très bien. D'accord. Avec un ventre chartreux. Yes. Voilà. Et après, ici, pour les coloris, c'est plutôt naturel pour les coloris. Alors, naturel, mais aussi avec, on le voit ici, un tag UV. Ouais. Sur la caudale, là où vous allez mettre le triple, ouais, et à la gorge, sous l'hameçon. D'accord. Donc, ces leurres-là sont prémontées avec une tête plombée. Ouais. Il existe plusieurs tailles, et en fonction des tailles, on a adapté les grammages. Bien sûr. D'accord. Donc là, le Brown Sugar, qui est vraiment un super classique. Le UV Perch, qui est vraiment très imitatif. Donc là, sur des moments où vous avez vraiment des grosses densités de poissons fourrage en ouais, perche. Ouais. Red Ghost. La base. La base, on l'a vu stander dans Perche Pro. Ouais. Et les années précédentes quand on pêchait avec le Grubby Shad. Conseil pour l'utilisation du Red Ghost. C'est un leurre qui est ghost, donc translucide, ouais, mais très chargé en petites paillettes, d'accord, des paillettes bleutées, etc. Ouais. Donc il a vraiment dans l'eau ce côté brillant que j'aime vraiment dès qu'il y a du soleil. D'accord. Voilà, le côté paillettes, pensez-y quand vous avez du soleil, utilisez le côté réfléchissant des paillettes pour envoyer des signaux dans l'eau quand il y a le soleil. D'accord. D'accord. Et après, le coloris Fera, qu'on avait fait initialement surtout pour pêcher les lacs alpins. D'accord. Où on a beaucoup justement de ferra, de corégon, qui sont des poissons bleus, blancs. Mais c'est quelque chose qui a prouvé son utilité vraiment partout en Europe. C'est une couleur classique que j'utilise presque comme le blanc. C'est-à-dire beaucoup le matin, ouais, le soir, faible condition de luminosité, je vais aller tirer là-dessus. Ça reste très naturel, donc dans de l'eau claire, ça passe très bien. Ouais. Et côté bleuté atténue un peu le blanc. Donc j'aime bien cette couleur. Yes. Ensuite, nous avions les nouvelles tailles des Tipsy, c'est ça? Oui. En 13 cm, donc moi je les ai déjà utilisées en taille plus petite. Idéal pour le sambre, cette fois-ci je pense que c'est plus une taille typée brochet, je pense. Alors brochet, et vous serez surpris d'utiliser pour le sambre en période hivernale comme maintenant, sur la verticale par ouais, exemple, ça reste des leurres qui vont se mettre en action tout seul. Tout seul. Ouais. Ça nage tout seul. Donc il n'y a pas besoin de vraiment d'aller vite, etc. Donc pour les pêches hivernales, c'est super. Et pensez-y, vraiment le sambre, il y a beaucoup de gens qui sont surpris, on pêche avec, pas uniquement avec du 10 cm, non, on pêche 13, 14 cm, 12, 13, 14, ça passe. Facilement ça passe. L'hiver, ils vont chercher des grosses proies. Oui. Et si vous proposez des grosses proies, vous aurez la chance de pêcher les poissons un peu plus gros. Ah, c'est quoi la petite technicité sur le... Je vois que tu as l'œil partout. Ouais. Tu as des difficultés pour le dire, mais tu as l'œil partout. Effectivement. C'est un ring shad, d'accord, purement, donc on a des anneaux ici. Ouais. Les anneaux sont faits pour retenir l'eau, pour avoir justement un peu plus de lenteur. Donc il va accrocher dans l'eau, ouais, pour parler vulgairement. Ouais. Et derrière, en fait, on a sur la caudale toute l'action, là où on en a besoin finalement. D'accord. Bon, là, on a un corps plein avec une tête bien fat qui va accrocher à la tête plombée. Ouais. D'accord. Il est aussi prévu pour les montages texans, ouais, il y a une petite fente sur le dos, une petite fente sur le ventre, et le texan globalement va venir à l'articulation ici, se fixer là, donc il va pas gêner du tout la nage. La nage. Ouais. Et ici on a une double fonctionnalité sur ce type
d'articulation, c'est qu'en fait, on a des annelures très prononcées ici qui vont freiner aussi. Freiner, mais ajouter, donc on enlève de la matière, on ajoute de la mobilité. Mais la colonne vertébrale est plate, on le voit bien là, ici. Elle est plate, donc en fait elle va bouger dans ce sens, ouais. Mais elle est triangulaire dans ce sens. D'accord. Et donc on va contraindre les mouvements latéraux pour les faire remonter jusqu'à la tête. D'accord. Donc on a un chad qui est très très souple, mais très puissant. Mmh. La problématique des ring chad normalement, c'est que quand vous faites un ring chad, vous faites une âme, une colonne vertébrale ronde. Oui, c'est ça. Centrée à l'intérieur. Tout à fait. Première problématique, c'est pour mettre des hameçons. Comme il y a très peu de matière, ben, des fois on les endommage. Oui. Et l'autre problématique, c'est que, alors c'est aussi un avantage, mais une des problématiques, c'est qu'en fait, tu ne donnes pas de vibration. Le paddle va bouger dans tous les sens, ouais, de ça. La même manière. Il n'y a pas de contrainte. Non. Or là, on a généré une contrainte sur le côté, ouais, pour renvoyer de l'énergie et de la puissance vers le corps. D'accord. Si on n'avait pas fait ça, on aurait juste un paddle qui bouge et on aurait très peu d'interaction jusqu'à la tête. D'accord. On aurait juste le petit mouvement. Donc sur les petits leurres, ça va. Ouais. Sur les gros leurres, on veut de la puissance. Ouais. Donc, on a fabriqué ce leurre spécialement pour ça. Excellent. Super. Ensuite, on a des nouveaux coloris aussi sur, oui, les peps. Les peps et nouvelle taille. Et nouvelle taille aussi. Donc là, en fait, c'est comme le Tipsy. Donc là, on est sur un 13 cm. Ouais. Tipsy, on était sur un 12 de mémoire. Et donc des tailles brochées, plutôt typées brochées, gros cendre. Ouais. D'accord. Donc pareil, le peps ouvert en haut, ouvert en bas pour pouvoir pêcher un texan. Ouais. Un gros battoir classique. Énorme. Avec une belle inclinaison ici, il n'est, ouais, pas droit, il incline. Donc en fait, il va vraiment aller chercher une amplitude, une grosse amplitude, et beaucoup, beaucoup de déplacements d'eau. D'accord. Et il va pêcher très, très lentement, sans aucun problème. Vous n'avez pas besoin de déclencher. Un G-bump va avoir besoin d'un peu plus de vitesse, un peu plus d'agressivité. Là, on est sur des leurres avec le Tipsy et le Peps, qui se mettent en œuvre super rapidement. Plutôt typé cendre, en fait. Cendre et broché, on a eu de très, très bons résultats brochés. Et ensuite, on a le Shutterbait E.T. Ouais. Qui s'appelle le Boomer. Le Boomer. Donc, il y a aussi des caractéristiques techniques sur ça, tu veux, oui, le dire. Oui, alors, je le répète, on le dit souvent, chez Gunkey, on est vraiment fabricant de leurre. C'est ça. On fabrique des choses. Alors, effectivement, on peut, quand on regarde un Shutterbait, c'est un Shutterbait. Donc, genre, on ne va pas refaire le truc. C'est un Shutterbait, c'est une palette à l'avant qui va vibrer, c'est une ça. Tête type jig, un rubber, une jupe en rubber. Ici, et un leurre en trailer. C'est pas un choix innocent de mettre un V2 Vib. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu mettais un Peps, par exemple, ouais, tu aurais une grosse amplitude et tu aurais un tirant d'eau plus fort. D'accord. J'ai choisi, et je choisis en règle générale sur les chatterbait, un faible tirant d'eau avec une petite caudale très rapide, ouais, qui me garde beaucoup de vibrations, mais qui nuit pas à la vibration de la tête. D'accord. Si je contrecarre la vibration de la tête par un leurre trop volumineux, et trop puissant, je vais tuer la vibration du chatterbait. D'accord. Or, c'est ce que je veux. Je veux la vibration du chatterbait. Ouais. Donc, je réduis ma vibration à la quadale. Petit détail technique. Ou carrément, mais mettre un finesse. Tu peux aussi mettre un finesse. Ou tu peux mettre un finesse. Mais j'aime bien le petit côté. Donc, vrai, comme on l'a dans la gamme, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Merci. Je vais utiliser un kiddy, je vais utiliser ce genre de choses. Ouais. Plutôt des leurres, des chats finesse, voire même des finesses, comme tu dis, ouais, c'est, ça marche tout à fait, c'est indiqué. Donc là, ce chatterbait, en fait, on y a fait un centre de gravité très bas au niveau de l'attache. Et on a redescendu le niveau de l'attache aussi sur la palette. Ce qui fait qu'en fait, c'est assez unique. Vous avez un chatterbait qui ne va pas décrocher quand vous le ramenez un peu trop rapidement. Au lieu de monter, il va descendre. Il va rester stable. Et c'est vraiment, il est fait pour ça. C'est-à-dire que vous descendez à la profondeur de nage que vous voulez et derrière, vous le crankez. D'accord. Voilà. Et donc là, il va rester là. Et il a été vraiment designé pour ça, le Boomer. On a porté beaucoup de soins à son développement et je pense qu'on a réussi quelque chose parce que les premiers résultats le montrent. Puis la TP est plutôt stylée, franchement. Ouais. Aussi avec des coloris UV qui sont sur les yeux. Ouais. Vous allez pouvoir voir en gros plan, de toute façon, on va vous montrer ça. Il y a aussi une nouvelle couleur, non, je pense, ouais, sur le Grubby Shad. Une nouvelle couleur dans le Grubby Shad. Donc là, je pense qu'on le voit. C'est le UV perche. Voilà. Donc là, c'est de nouveau un UV perche. Grubby Shad, incontournable, c'est un de nos premiers leurres.
dans la gamme. On l'a toujours. On a plusieurs perches pro qui ont été gagnées avec. Exactement. Et pas par nous, mais par d'autres qui utilisent aussi nos leurres. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Ça veut dire que ça fonctionne. Ça même fonctionne. J'ai vu que le J-Bump aussi marchait bien sur les perches aussi, en petite taille. Ouais. J'ai vu ça avec les ceux qui pêchaient en Laponie là. Ouais, sur les perches, ce que j'aime bien sur le J-Bump, c'est vraiment la puissance de la vibration. D'accord. On l'avait déjà un peu sur le Grubby Shad, ouais. Et sur le J-Bump, on l'a encore plus. Et cette puissance de vibration associée avec une tête flambée un peu lourde nous rapporte beaucoup, beaucoup de gros poissons régulièrement. Et aussi de la quantité, mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise, cette combinaison tête plombée lourde et leurre puissant pour les grosses perches. C'est fort intéressant tout ça. En tout cas, merci beaucoup Fred de m'avoir invité, merci de nous avoir invité, parce qu'il y a le petit Kevin qui est là-bas en train de dormir. Oui. Et du coup, n'hésitez pas à regarder Fishing Club aussi, parce qu'il est dessus Fred, et vous apprenez beaucoup de choses. J'espère que tu feras des vidéos toi aussi sur la chaîne Gunky en expliquant tout ça, parce que c'est fort intéressant. Merci à tous d'avoir regardé. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.